Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Star Wars Jedi Survivor avec l'épisode 23. Et je ne vais pas vous mentir YouTube, et j'en suis extrêmement navré évidemment, mais il fait tellement bon en ce moment que j'avoue je pense plus à prendre un peu le soleil, à bronzer et à kiffer évidemment qu'un record. Je suis désolé, j'ai beaucoup de mal à me mettre un record, non pas que je n'aime pas, mais c'est vrai que le plaisir de s'amuser dehors reste un petit peu plus fort. Bref, on se retrouve pour la suite, vous aurez bientôt la fin de Dead Space, ne vous inquiétez pas, si tout va bien peut-être cette semaine. En attendant, n'oubliez pas le petit j'aime et le petit commentaire, ça fait toujours extrêmement plaisir. Les occupants du sanctuaire du pèlerin ont bien changé. Et on est parti pour... Ce droïde sentinelle risque de poser problème. La suite, évidemment, de ce temple que nous avions trouvé il y a de cela pas très longtemps. Ok, pour l'instant, on s'en sort plutôt pas trop mal. Qu'est-ce qu'on a là? Que dalle. Qu'est-ce qu'on a là? Oh. Okay. Avant l'arrivée de la foreuse. C'est le troisième temple qu'on pille. Mais qu'est-ce qu'il y a de si intéressant sur Jedha? J'en sais rien, mais je m'en fiche. Mais qu'est-ce qu'on cherche au juste? Qui a dit qu'on cherchait quelque chose? On est là, un après. Quelqu'un a anéanti l'équipe de la patrouille de surveillance. Tu penses que c'est elle? Arrête avec ton histoire. Allez, ça dégage. Ok. Ok. C'est chaud. Ok. Vache. Comment on va faire pour lui? Comme ça. Ok. Oh. Ok. Vas-y, viens par là, toi. Parfait. Oui, ça. Parfait. Ok. Bon bah écoutez, c'est finito pour eux. On s'en sort plutôt pas trop mal, même si lui il était assez chaud en vrai. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, mais ils étaient combien avec des sulfatos là-haut? On n'a toujours aucune idée de ce qui se trouve sous leur nez. Mais ils vont finir par trouver le refuge. On doit continuer. Ok, on a un truc ici. Et on a que dalle ici, très bien. Alors, comment on va faire cette connerie là? Ok. Comment on va faire? Toujours aucun signe du refuge du passage. Oh mais quel merdier. Ensuite on va aller... Là, super. Ok. Ah oui. Ok. On va glisser là-bas. Wow. Par contre, ça fait trop stylé. Ah. Ok. Alors là, je... Ah, wow. Bon, on a réussi.
Je pensais qu'on allait jamais en voir le bout. Ça, je prends. Ça, je prends, les amis. Je crois qu'il existe un vaste réseau de cours d'eau souterrains sous le temple. Parfait. Cela devrait empêcher les scanners de l'Empire de détecter nos opérations. Ok, 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 ok. Alors, par où on va aller, les amis? Là, on a un petit clipping de lumière. La cible est extrêmement mobile. Bougez-vous! Ok. Ok. Ok, ça c'est pas mal. Par ici le steam. Ça c'est pas mal du tout. Très bien. Le raccourci c'est ça. Je suis pute. Superbe. Tiens, tout ça pour faire ce petit tour. Ok. Point de compétence obtenu, ça fait deux, les amis. Comment on va faire? Comment on va faire? Ils sont morts. Waouh, 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 waouh. Ok. Alors là, là je ne sais où aller. Là je ne sais où aller. Si peut-être ça me range pas. Ah, attendez, ok. Sûrement là-bas, c'est ça? Non plus, mais what the fuck? Moi, je serais bien allé sur cette sorte d'arme là. Cette sorte d'arme. Ah non, c'est bon, j'ai. Ok. Est-ce que j'ai l'outil pour pouvoir nager à l'infini là-dedans là? Pas sûr, hein. Pas sûr, les amis. Et ils ont fait un effort, hein, sous l'eau, c'est vraiment propre, hein. C'est vraiment très très propre, hein. Ce temple-là a de la gueule. Encore. Et ben encore. Allez, on est reparti. Je ne sais pas où ça va nous mener tout ça, sûrement à l'autre bout. Peut-être derrière. Je ne sais pas ce qu'il faut faire du monstre... Bien. Si c'est bon, j'ai le petit outil, regardez dans la bouche. Ok, superbe. Superbe. Je commence à me dire qu'on est au bon endroit. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est... Ok. Très bien, mais enfin. Alors, je vais demande de ça. Quand c'est là. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Quelque chose à faire? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Et là? Oh là là. Ah. D'accord. Ok, ok. D'accord.
Ok, oh ouais. La vache, what a porte. Ok. Il fallait y penser, hein, pour réfléchir à une porte comme ça. Hein. Tiens, scanne-moi ça, là. C'est qui, ça? C'est Mommy, ça, ou quoi? Ok, très bien. Petit écho, on prend. Fallait y penser à cette porte, les amis. Ils ont évacué les lieux dans la précipitation. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Par ici, tout le monde. Allez. Plus vite. Vous venez avec nous? Je dois rester encore un peu. Allez-y, le temps presse. Je vais sceller le passage derrière vous. Ok. Que la force soit avec vous tous. Wow, l'XP il est ouf. Qu'est-ce qui va se passer? On se calme. C'est Sere Junda qui m'envoie. Maître Junda, vous avez utilisé la force. Vous êtes Kalkestis. Il faut y aller. L'Empire est presque là. Oui. C'est pour ça qu'il faut rapporter ceci à Maître Junda. Ces codes de contact ne doivent pas tomber entre les mains de l'Empire. Attention ! J'avais oublié, j'aurais dû le faire bien avant. Ok, on va save. Oh là là, je me dégoûte. Ok, bon, déjà on va se reposer. Ensuite, on va checker les points de comp. Le plus important pour moi à l'heure actuelle, ça reste la force quand même, en vrai, non? Non, peut-être la survie, pardon. La survie, parce que la survie, c'est un truc de foufou. C'est même, je dirais, un truc de zinzin. La jauge de blocage se remplit plus vite. La survie, c'est le personnage, donc ça me paraît primordial. Alors, moi, j'ai le petit, le sabre classique, jeu de jambes amélioré. Jeu de jambes. Ok. Très bien. On va améliorer le sabre classique et après, on utilisera un petit peu nos points de compétence pour la force. Superbe. Il est de notre devoir de faire en sorte que ça ne fait pas être. Oh, c'est trop stylé. Oh la vache. On a l'attention de ce truc. Ah ah. Ok. Très bien. C'est compliqué. Juste. Tu m'impressionnes. Derrière les barrières, réinitialise. Oui, ça je l'ai remarqué. Attends, je comprends pas là, les gars. Je ne. Oh non, c'est bugué. Oh, c'était bugué. Bon, je l'avais fait deux points, vous êtes témoins. Ok. Bon, heureusement qu'il vise autant que, aussi bien qu'un Stormtrooper. On est plutôt large. Ok, là ça va swinguer. D'accord. D'accord, il y a un détail que j'ai dû louper malheureusement. Quelle épaisse. Ok. Ouah, non, c'est moi qui ai lâché, je suis trop bête. Là c'est ma faute, là c'est ma faute, je peux en prendre qu'à moi. Ok. C'est pas facile, hein. Le
Waouh! Let's go. Let's go, let's go, let's go. Ok. C'est bien ça. Je vois une entrée. Alors dépêchons-nous. Très très bien ça. On est d'accord, je suis passé à ça. Wow, je me suis chié dessus. On y est. On ne devrait pas emprunter le chemin du pèlerin pour atteindre la base de Céré. Il y a un autre chemin, mais il y a beaucoup de patrouilles. Ensuite, je comprends pas. Attends, pourquoi on est monté tout là-haut? Ah bah oui, on a eu la clé. Restons sur nos gardes. On a un intrus ici. Bien reçu. Couvre-moi. Non. Ok. Notre copain est de retour. Voilà, pas moi, Zinedine. Parfait. Allez. Merci encore pour le talisman. Tu en as plus besoin que moi. Une petite save s'impose. On ne devrait pas s'attarder. Pas là-haut, je crois. Non ? Non. On va passer par ici. Puis on repassera par là. C'est pas bon. Attention. Ok, let's go. Bien joué, Jedi. Aucun problème à ce niveau-là. Comme du désert. Ils rapportent même plus d'XP tellement ils sont cinglés. Des ennemis. Très bien. Ça l'a même pas touché lui. L'Empire n'a aucune idée de ce qu'il est en train de découvrir. C'est ma faute. Tant mieux. J'ai plus de force. Ils ne doivent jamais apprendre que le passage était ici. On a perdu notre soutien, putain. Ok. Parfait. Là c'est que des petites vagues, hein. C'est tranquille. Par contre, qu'est-ce qui m'attend au bout? J'en ai aucune idée, on va le savoir tout de suite. Une impasse! Tu crois que ça va le faire? Tu me fais confiance? Oui, bien sûr. Tu penses à quoi? Pas le temps d'expliquer. Tu me fais confiance. Oui. Pour me porter chance. Non, pour moi. Je les vois pas, les tourbillons en l'air. Oh non. Oh, quel enfer. Ok. J'ai failli le louper. Ça va le faire, bébé.
Waouh, là je suis en maximum concentration. Je suis en sale état. Merci infiniment. Ok, un bras en moins. Ne nous réjouissons pas trop vite. Waouh, ce qui se passe, c'est un bordel, hein. On ne peut pas continuer comme ça. J'ai une idée. J'ai besoin d'une ouverture. Oh là, c'est chaud. Allons, on fait face ensemble. Maintenant, jamais. Let's go! Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Comment tu fais ça? Un rituel que j'ai appris en retournant sur Datomir. C'est... épuisant. Ça va? Ça va. Allez, apportons ces codes à Ciri. Waouh. Bah vas-y, on la suit, hein. On la suit, hein. Elle a l'air de savoir ce qu'elle fait, hein. C'était showtime, hein. Ce temple était fou, hein. Le départ du sentier du Panthéon, très très bien. Ah oui, Ciri, elle est dans le désert, loin. C'est pas mieux un voyage rapide, les gars? En vrai de vrai? Bon, on va la suivre. Elle a l'air de prendre de l'avance, c'est pas pour rien. Regardez, elle sait ce qu'elle fait. Ouais, prendre de l'avance, elle m'attend en avant. Allez. Et là, on fait quoi? Oh non, elle prend plus d'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Peut-être un voyage rapide. Peut-être un voyage rapide à mon objectif. Et par conséquent, ici certainement. Non? Je dirais ici. Je sais pas exactement où ça va m'emmener. Ah mais non, mais non. Oh mais je suis trop teubé, attendez. Je crois qu'on a un point directement à côté de l'objectif. Attendez, attendez. Je veux juste en avoir le cœur net. Voyage rapide. Mais oui. Le hangar, évidemment, le hangar. Allez, c'est parti. Ok, ok, ok. Où est Ciri? Normalement, elle est là-bas. Elle est dans la salle des Jedi. J'espère qu'elle va se régaler avec cette clé. Ah oui, c'est vrai. Ok. Serré ma petite bichette. Où elle est? Elle est là. Serré. On n'a pas pu sauver Armias. Il s'est sacrifié pour ça. Je suis désolé. Je sais que tu as fait de ton mieux, Cal. Et les impériaux? Ils nous ont pas suivis. Hé, hey, le ferrailleur. Content de te revoir sain et sauf. Maître Cordova, vous avez trouvé comment traverser l'abysse? Non. Mais vous peut-être, Cal. Baud et moi avons réussi à trouver des données intéressantes dans les archives. Montrez-lui ce qu'on a trouvé. Il y a des siècles, la République a établi une colonie sur Kobo pour étudier une anomalie stellaire du nom d'Abyss. Santarikri menait l'équipe de recherche.
Ces aides à côté. Leurs premiers essais pour traverser l'abysse furent désastreux. La République était sur le point d'abandonner le projet. Et devinez qui s'est porté volontaire pour partir seul et découvrir la planète de l'autre côté. Dagan. Grâce aux données de son voyage, Kree a inventé les compas de l'abysse pour guider les autres vers Tanalor. La République a établi une colonie, les Jedi ont construit un temple, comme tu l'as dit, Cal. Mais cette ère de paix et de prospérité a pris fin avec l'invasion de maraudeurs de la bordure extérieure. Moi aussi, je les ai vus, mais comment ils ont franchi l'abysse? Ils ont dû voler un compas. Mais vous en faites pas, on sera pas aussi négligents. Submergé, la République a abandonné Tanalor. Et le Conseil Jedi a ordonné à Kree de détruire les compas. Dagan Gera a refusé, et s'est rebellé contre l'ordre. C'est un Jedi. Il ne s'allie pas souvent à d'autres espèces. On dirait que Revis travaillait pour Dagan depuis plus longtemps qu'on ne pensait. Donc l'ordre a envoyé des Jedi récupérer les compas. Et Dagan les a tués pour ça. Un Jedi qui tue d'autres Jedi. Sauf que Santari a dit que Dagan était la clé de Tanalor. Peut-être que oui, jeune Jedi. Malgré mes efforts, les compas que tu as rapportés sont trop endommagés. Cependant, les rapports indiquent que 3 d'entre eux sont manquants. Et vous pensez qu'on peut en retrouver un ? Oui. Et Dagan a envoyé son armée les chercher. Je te demanderais bien de rester nous aider. Mais je connais cette ère. Quelle ère ? L'espoir. Cette planète est un refuge pour tous ceux qui s'opposent à l'Empire. Vous seriez du voyage ? Enfin, Gris peut réaménager le Mantis, pour vous tous. Non. Cet endroit a besoin de moi. Le passage a besoin de moi. Cordova ? Je suis navré, mon ami. Mais pour l'instant, ma place est sur Jedha avec Céré. Laissez-moi vous donner une clé de données pour accéder aux informations, où que ce voyage vous mène. Ne me dis rien. Tu restes aussi ? Quand on s'est rencontrés, je croyais que ce qu'on partageait était unique. Des survivants, combattant ensemble contre l'Empire qui avait tué nos familles. Oui. Tu m'as aidé à comprendre que je ne suis pas seul. Et toi aussi. Mais la galaxie est pleine d'êtres vivants qui ont souffert autant que nous. Comme Céré l'a dit, tu l'auras peut-être trouvé un sanctuaire. Peut-être. Si on arrive là-bas. Je viens avec toi. En plus, ça fait une éternité que j'ai pas eu la possibilité d'agacer Grise. Rendez-vous sur le Mantis, sœur de la nuit. Cherchez le compas sur Kobo, évidemment, pour ça, retour au Mantis. Ok, et eh ben écoutez les amis, c'était plutôt sportif tout ça, et on s'en est très très bien sorti avec ce temple Jedi. On a réussi d'ailleurs à le faire en un épisode. La planète était pas évidente, ceci dit, mais le jeu est en tout cas bien plus friand, bien plus régalant, très clairement, que l'était Jedi Fallen Order. Voilà, j'en avais oublié le titre, excusez-moi. En tout cas, cet épisode était totalement fou. Les amis, je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait toujours plaisir. Je sais que je me rabâche à chaque fois, mais sinon vous avez tendance à oublier. Et on vous dit à la prochaine pour l'épisode 24 et donc la suite de nos aventures avec Cal Kestis. Bisous tout le monde, bye bye.